Donc, moi, je me suis aperçu que sur le cordon, on se retrouve avec à peu près tout le temps bon, des cordons dans des côtes sur côtes qui montent comme ça. Et on se retrouve souvent coincé entre une plaie ici, une plaie ici, une plaie ici. Il faut que la sève elle circule là. Et donc, comme on se retrouve dans cette situation-là, ça passe mal. Et qu'est-ce qui se passe? On a un rejet qui part à la base. Donc, comme on a un rejet qui part à la base, on se dit « super, je peux redescendre ». Et donc, l'année d'après, on fait une grosse coupe et on supprime le porteur ici. Et on repart plus bas. C'est ce qui s'est passé ici. Hein. On avait le porteur ici, on l'a supprimé et on est reparti plus bas. Mais comme généralement, on repart plus bas, on a un angle qui n'est pas super favorable, il se passe quoi? Entre écorce, vous voyez d'ici à ici, on a une entre écorce. Et après, sur ce démarrage-là, donc on a d'un côté la plaie de l'ancien et de ce côté de l'entre écorce. Donc, ça commence à mal se passer. On a accepté l'allongement. Et là, de nouveau, on reprend quelque chose en dessous en rabaissant. Et là, on se retrouve avec des tout petits bois. Pas efficace du tout. Si on regarde sur celui-là, qui était plutôt sain, là, regardez là, on a des bois similaires, hein, c'est plutôt pas trop mal, même s'il manque un porteur ici. On le retrouve ici, il manque un porteur, on voit que c'est complètement desséché à l'intérieur. Et si on regarde ici, on s'aperçoit qu'on a plein de bois morts qui gênent la circulation de la sève. On a la même chose ici, extrêmement complexe, et ici aussi. Alors, le problème du cordon, c'est que justement, on essaie de pas monter, et on essaie de pas monter de manière aléatoire. Et donc, sur un côte qu'on va laisser, tous les ans, on va garder le sarment du bas pour pas monter. C'est juste pour pas monter. Le problème, c'est que c'est aléatoire. Un coup, il va être à gauche, un coup, il va être à droite. Et c'est ça que ça fait là. Un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Et là, ça y est, vous êtes coincé. Et jusque là, pas de problème. Seulement comme vous êtes coincé et que ça ne circule pas, pampre. Et du coup, vous redescendez. Bon, bah, il va falloir éviter de continuer comme ça parce que ça, c'est dommage. C'est une mauvaise interprétation de comment doit fonctionner un cordon. Comment on peut faire? Parce qu'en fait, si on fait comme ça, et qu'on groupe toutes nos plaies du même côté, comme on l'avait fait sur le guyot. Ben là, mécaniquement, de l'autre côté, c'est bon. Donc là, vous allez toujours avoir des beaux bois. Par contre, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir toute votre plante qui va partir et qui va pencher, quoi. Donc ça, c'est problématique. Donc vous avez deux manières d'interpréter ça. Soit vous faites 4 ans d'un côté ou 5 ans d'un côté, et puis vous prenez un virage, vous faites 5 ans de l'autre, pourquoi pas. 3 ans d'un côté, 3 ans de l'autre. 2 ans, c'est trop court. 3 ans d'un côté, 3 ans de l'autre. Vous permettez d'avoir un flux de sève qui tourne, mais qui tourne une fois de temps en temps, qui ne tourne pas de manière aléatoire, un coup à gauche, un coup à droite. Vous pouvez faire ça, mais ça signifie qu'il faut soit être capable de regarder chaque courson et regarder les plaies des années d'avant et savoir si vous pouvez prendre le virage cette année ou pas. Et donc ça, c'est quand même du boulot. Soit en fait, moi j'ai développé une stratégie qui me dit il faut accepter un peu plus d'allongement, mais ça dit... je taille toujours tout du même côté. J'arrive sur mes côtes et j'enlève toujours le bois de gauche. J'enlève le bois de gauche, je garde le bois de droite, j'enlève le bois de gauche, que ce soit le premier ou le second, j'enlève toujours ce de gauche. Là, ce qui est pas mal. Et je fais tailler donc du coup le côte qui reste, le sarment qui reste à deux yeux pour faire un côte. Là, vous pouvez faire tailler à peu près n'importe qui. Vous êtes d'accord? C'est hyper simple. Puisque vous avez juste à virer celui de gauche et à laisser celui de droite. Si vous faites ça tout le temps, vous avez toute votre vigne qui va se mettre à pencher vers la droite. Vous comprenez ce que je dis? Toutes vos plaies vont se retrouver mécaniquement groupées d'un côté. Et donc, vous sortez du problème de circulation de sève au moins. Bon, mais vous allez allonger une année sur deux, vous allez allonger plus parce qu'une année, vous serez sur le premier, l'autre année, vous serez sur le second. Donc, vous allez allonger plus. C'est pas tout à fait satisfaisant quand même. Vous pouvez faire ça, mais vous pouvez aussi faire ça. C'est-à-dire que si vous faites que des plaies sur le bois de 1 an, vous vous rappelez, on en a parlé là-bas, là. En quelque part, je vais vous le redessiner après. Mais si vous faites que des plaies sur le bois de 1 an, les yeux de la couronne restent vivants là. Donc vous réduisez une fois en longueur le sarment qui part d'ici, qui faisait un côte. Donc vous l'avez réduit qu'une fois en longueur, et après l'année d'après vous enlevez le sarment. Vous vous retrouvez donc avec les yeux de la couronne vivants ici, à prendre le premier œil en dessus. Donc ça vous fait prendre systématiquement le second œil. Donc ça veut dire que systématiquement vous allongez plus. Mais vous avez une plante qui recouvre les plaies. Vous allez vous retrouver, au lieu d'avoir une succession de chicots morts, comme on va pouvoir le trouver ici,
Vous voyez ça, plaie de 2 ans, plaie de 2 ans, plaie de 2 ans, plaie de 2 ans, plaie de 2 ans. Mais tout le monde est groupé du même côté. Donc là, on n'a même pas besoin de regarder, dessous, il n'y a pas de plaie. La circulation de sève est bonne, d'ailleurs la preuve, le courson est très beau. D'accord ? Donc là, bon, on peut se dire ok, ça peut fonctionner, mais les plaies de 2 ans ne sont jamais recouvertes. Alors que si on fait des plaies de 1 an, et là je suis désolé, j'ai des photos, mais pas vieilles, il y a plus de photos, en fait, si vous regardez sur le site des Italiens, Simonite and Search, là, vous avez vraiment les exemples avec des plantes qui sont taillées tous les ans sur du bois de 1 an. Du coup, vous pouvez regarder ça et vous en inspirer parce que c'est vraiment pas mal comme ils l'ont fait. Ça veut dire que vous allez prendre cette situation-là. Alors, on a la sensation qu'on a la même chose dans d'autres endroits comme ça, puisque là, donc là, on fait une plaie sur un bois de 2 ans. Si on prend celui-là, on se retrouve coincé entre celui-là et celui-là. Ça, c'est systématiquement ce qui se passe. Quand vous le faites, vous laissez un courson, il fait 2 yeux, vous enlevez l'œil le plus bas, le plus haut, et vous gardez celui du bas. L'année d'après, vous allez prendre lequel ? Bon, là, c'est bizarre parce que je n'ai laissé qu'un œil, vous risquez de prendre le premier ici, puisque vous gardez toujours le plus bas. Et donc, vous allez faire une plaie de ce côté. Donc, vous avez une plaie de ce côté et une plaie de ce côté. Vous coincez. Si vous prenez celui de la couronne, vous allez retrouver dans cette situation-là, avec un allongement plus tellement faible que vous allez changer de direction. Ça va fonctionner, mais vous allez changer de direction. C'est-à-dire le bourrillon, systématiquement, si vous le prenez comme départ, il a tendance à pousser dans une direction un peu aléatoire. Plus vous acceptez d'allongement, plus votre bras il va monter droit, en quelque part. La meilleure des solutions, en fait, ce serait d'accepter de tailler à un œil franc. Donc si vous faites tout le temps le premier œil franc, l'avantage c'est que vous allez couper le bourrillon, et en coupant le bourrillon, tous les ans, vous allez couper le bourrillon en laissant les yeux de la couronne, qui sont encore vivants, qui vont pamper, mais qui vont permettre à la plante de recouvrir la plaie. Ce qui fait que vous allez toujours avoir des pampres à la base de ce que vous avez laissé, mais comme c'est recouvert les années d'avant, vous allez vous retrouver avec une espèce de poire complète qui va être plus courte et qui va être entièrement vivante. Si vous ouvrez, vous allez vous apercevoir qu'à l'intérieur, vous n'avez que des petits bouts de chicots morts. Alors que quand on ouvre un courson normalement comme ça, c'est dégueulasse à l'intérieur, puisqu'on n'a que des plaies du bois de 2 ans. Même si on a groupé tout d'un côté, on a tout un côté qui est mort et tout un côté qui est vivant. Ça, c'est lourd de sens. C'est-à-dire qu'il faut accepter que le bourrillon, qui produit moins, se mette à être un œil productif. Je vais vous expliquer pourquoi vous n'allez pas trop perdre en rendement en faisant ça. Vous n'allez pas trop perdre en rendement, pourquoi ? Parce que quand vous faites des plaies sur du bois de 2 ans, vous limitez le volume de réserve. Vous comprenez ? À chaque fois, vous enlevez du bois qui a 2 ans, qui est censé stocker des réserves. Alors que si vous faites que des plaies sur du bois d'un an, vous êtes tout le temps en train d'enlever simplement un tout petit chicot. Le bois de 2 ans, c'est les yeux de la couronne. Donc si vous vous retrouvez avec des yeux de la couronne sur les yeux de la couronne, comme ça, qui avancent, avec juste des chicots du bois de 1 an, de la réduction du sarment pour faire le courson, vous allez vous retrouver avec plus de bois vivant, de plus en plus de bois vivant, et de plus en plus de réserves. Et qu'est-ce qui se passe mécaniquement quand on a plus de réserves ? On se retrouve à avoir une plante qui a une meilleure initiation florale, et donc votre bourrillon va se mettre à fructifier de mieux en mieux. Vous comprenez ? Et ainsi que votre premier œil franc. Ce qui fait que vous allez petit à petit rattraper à peu près, pas tout à fait, mais à peu près le rendement que vous aviez avec deux yeux francs. Le gros avantage de ça, c'est que si vous avez des réserves, au moins un coup de gel, la plante remet des seconds bourgeons dynamiques et donc la réserve ne vous pénalise que 1 an. Et en plus de ça, vous allez vous retrouver probablement avec une qualité supérieure parce qu'avec une plante plus de réserves. En fait, on aurait tendance à penser qu'on a tout intérêt à faire que des tailles sur un œil franc, sur ce genre de... Mais il y a des plantes qui sont très très mauvaises à la fructification sur le bourrillon. C'est ce qui peut certaines fois freiner ce genre de test. Il vaut mieux à la limite multiplier le nombre de poussons, mais diminuer le nombre d'œil francs. Oui. Le truc, c'est que tu n'as probablement pas besoin. Tu peux laisser le même nombre. Et c'est justement comme ça que tu vas arriver à récupérer l'énergie. Parce qu'en fait, si tu as moins de production une année,
La première année, tu as moins de production. Le brouillon va démarrer à moitié. Tu auras une fois une grappe sur deux qui va fonctionner. La seconde grappe, elle sera un peu plus belle que d'habitude puisqu'elle se retrouve toute seule par rapport au volume de feuillage. Donc, bon, tu vas perdre un peu de jus, mais pas tant. Mais par contre, ta plante, elle va récupérer de l'énergie puisqu'elle aura eu moins de raisins à faire. Donc, du coup, elle va se requinquer, elle va être de plus en plus forte. Et donc, il vaut mieux une plante capable de faire plus que ce que tu lui demandes. Et c'est là où tu n'as plus besoin d'avoir de problèmes, où je pense que ça limite les problèmes avec les zones où vous avez un manque au niveau nutritif sur les cordons et où vous vous dites, mais oui, mais j'ai 5 oursons, mais il n'est pas capable de me les amener. Si vous avez 5 œils francs et que vous avez peu de réserves, la plante, elle va faire quoi? Elle ne va pas faire fructifier son bourrillon. Et du coup, elle va se requinquer. Vous comprenez? On a un truc hyper qualitatif en fait et qui permet d'avoir une production linéaire. Et là, vous pouvez être sûr que le voisin, c'est ce qu'il fait. Hein. C'est ce qu'il fait en fait. Et c'est ce que font maintenant tous les grands châteaux qui ont commencé à réfléchir sur cette taille-là et qui ont payé très cher ces Italiens pour venir donner ce conseil. On leur dit simplement.